Bonjour à tous, c'est Sinistre Frisson. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le Deep Web. Donc, cette histoire, en fait, je l'ai retrouvée sur l'application LJS Apps d'histoire d'horreur. Donc, elle a très bonne application, je vous conseille, hein. Donc, elle est dans la catégorie histoire d'horreur. Elle a été postée par l'utilisateur qui s'appelle Matt le 8 mars 2014. Et la dernière visite sur son profil remonte au 6 avril 2014. Donc cette histoire s'appelle Pris au piège entre parenthèses 1. Et donc je la racontais telle qu'elle est, c'est-à-dire à la première personne. Avant tout, j'aimerais faire une brève parenthèse sur ce que je vais vous raconter. Ceci est entièrement vrai. Je sais que bon nombre d'histoires commencent comme ça. Mais libre à vous de me croire ou non. Si je raconte mon histoire aujourd'hui, c'est pour faire vivre aux utilisateurs de cette application ce qui m'a marqué et terrifié, et de leur dire à quel point il faut se méfier de l'Internet. Je m'appelle Matt, je suis un jeune adolescent passionné par les histoires étranges, les jeux vidéo ainsi que les jolies filles, comme la plupart des jeunes de mon âge, je pense. Alors que je surfais tranquillement sur le net, à la recherche de creepypasta qui en valait le coup, les creepypasta sont des histoires flippantes qui ont pour but de vous mettre mal à l'aise. Je suis tombé sur un article qui parlait du Deep Web. Voyez-vous, l'Internet que nous connaissons, c'est-à-dire tout ce qui peut être trouvé par les moteurs de recherche, n'est en réalité qu'une brève partie de la réelle et immense toile qu'est le net. Le Deep Web, ou Web profond, représente 80% de tout ce qu'il y a d'inimaginable sur le net, donc du site pédopornographique jusqu'au site de vente de cocaïne en ligne, où l'on, en passant par les sites où l'on peut employer des tueurs à gages. Je me suis dit que je pourrais trouver des infos intéressantes sur ce fameux Deep Web. J'ai alors cherché comment y pénétrer et, comme je m'y attendais, c'était pas chose facile. Il fallait tout d'abord télécharger un logiciel qui conserve votre anonymat, car évidemment, CIA et autres agences de police sont régulièrement sur le Deep Web à l'affût de pédophiles et autres scélérats. Ce n'était pas la seule étape, il fallait également changer son proxy internet, bref, tout un tas de choses que je m'abstiendrai de vous expliquer. Mais, étant un jeune petit surfeur bien curieux et déterminé, j'ai établi tout le nécessaire sur mon PC pour pouvoir naviguer sans être tracé. Du moins, c'est ce que je pensais. Hop, deux ou trois clics après, et je me retrouvais sur le Hidden Wiki, le penchant de Wikipédia version Deep Web. À partir de maintenant, je nommerai le Deep Web DW. Ce Hidden Wiki, c'est en quelque sorte l'accueil du DW, site où sont répertoriés différents autres sites bien connus sur cette fâche cachée du web. Je m'aventurais sur Deep Search, un moteur de recherche spécial DW, et je réfléchissais à ce que je pourrais taper. J'étais vraiment très excité à l'idée que je pourrais trouver des choses particulièrement intéressantes, mais également un peu apeuré par le fait que je pouvais tomber sur des images ou des vidéos qui me marqueraient à vie. Je me suis résolu à écrire Scary Stories, histoire effrayante, dans la barre de recherche. 1 million de résultats défilèrent sous mes yeux avec des dizaines de pop-up s'affichant directement sur mon écran. Des annonces de tueurs à gages qui proposaient leurs services, des livreurs de chair humaine, ainsi que des images avec des petites filles. Je m'abstiendrai également de vous écrire ce genre de scène, c'était un véritable cauchemar. J'avais envie de vomir, et je regrettais d'être entré sur ces deux W avant de cliquer sur la croix en haut à droite, un lien attirait mes yeux. Real Fight Club Online. Je n'aurais jamais dû m'aventurer sur cette page. Un grand carré était au centre de la page. C'était une vidéo, mais pas exactement. C'était un enregistrement en ligne, sûrement filmé par une webcam. Il affichait un grand ring de boxe. Le sol du ring était maculé de sang. Mais il était vide. Un message à gauche de l'écran d'enregistrement marquait « Prochain combat dans 2h49 et 2 secondes ». J'ai vite deviné que c'était un site qui diffusait des vrais combats à mort en ligne. En dessous, un chat avec de nombreux pseudos d'utilisateurs qui semblaient parler dans des langues bizarres, du russe je crois. Encore une fois, juste avant de tout fermer, quelque chose a tout simplement arrêté de faire battre mon cœur. En bas, dans le chat. Hello, Matt. D'un coup, je fus pris de panique et voulus fermer la page sur le champ quand ma souris ne répondait plus. Elle semblait même bouger toute seule. Et l'homme qui avait écrit mon prénom écrivit autre chose qui a failli me faire évanouir. Mon adresse.
Voilà pour cette première partie. Si vous aimez, faites-le moi savoir et je vous raconterai la suite de ce qui m'est arrivé. Voilà, donc c'est la suite. Enfin, c'est pas la suite, mais c'est la fin de cette histoire. Le problème, ben, c'est que il n'y a pas eu de suite. Donc maintenant, je vais vous lire les commentaires. Donc, dans les commentaires. Le premier commentaire date du 10 mars 2014, c'est-à-dire 2 jours après qu'elle ait été postée, par Mélanie, avec 3 cœurs derrière. C'est flippant, j'espère qu'il ne t'est rien arrivé de grave. Tu pourrais écrire la suite si ça te dérange pas. Ensuite, le 14 mars 2014, donc 4 jours plus tard, Chiemip, en fait Chiemipi, je vais prononcer puisqu'il y a pi à la fin. Salut Matt, ton histoire est juste géniale, j'aimerais savoir la suite et aussi qu'il y ait des gens comme toi là où je vis. J'ai pas vraiment compris ce que ça voulait dire, mais bon. Ensuite, une réponse de Matt le 16 mars 2014. Ça arrive vite avec un smiley. Seabloud le 17 mars 2014. Ça fait flipper. Brooke le 22 mars 2014. On attend avec impatience ta suite avec un smiley. Pink Ice le 28 septembre 2014. La suite. Et enfin moi, donc le 16 avril 2017. C'est bizarre qu'il n'ait pas écrit de suite, ça m'inquiète, surtout avec cette histoire de Deep Web, je flippe. Donc voilà, il y a de quoi s'inquiéter. Donc il a actuellement 27 ans, donc il y a 4 ans il avait donc 23 ans. Je trouve ça quand même un peu bizarre que il n'ait pas écrit la suite. Je ne fais pas d'alerte, mais c'est quand même inquiétant, surtout quand tu es allé sur Deep Web. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à voir. Non, je dirais pas ça, pas tout de suite, parce que je sais pas quand elle sortira. Voilà. Donc à bientôt pour une prochaine Creepypasta Histoire FNAF ou vidéo Deep Web qui sort toutes les 2 semaines. Voilà. Donc il y en a déjà eu deux. Enfin une, et celle-là c'est la deuxième. Cyberpasta en a encore 2 autres. Moi j'en ai une. Donc voilà, donc c'est. On a le à peu près les 2 prochains mois, on sait ce qu'on va faire. Après, on verra. Donc, au revoir. N'hésitez pas à vous abonner à Cyberpasta et à ma chaîne aussi. Voilà, puisque Cyberpasta, c'est super sympa ce qu'il fait. Voilà.